Le mont Aiguille, localisé sur la commune de Chichiliane, est une dent avancée de la falaise orientale du massif du Vercors, à la limite du Trièves, au sud du département français de l'Isère, en région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une des sept merveilles du Dauphiné. L'alpinisme rocheux, sur roche calcaire, y est pratiqué, en particulier sur la face nord-ouest. D'un point de vue géomorphologique, c'est une butte et moins, c'est-à-dire une structure laissée par l'érosion, autour d'elle, du plateau dont elle faisait à l'origine partie. Le mont Aiguille doit à cela sa forme particulière, un bloc de falaise et une prairie sommitale, similaire aux alpages de l'ensemble du plateau du Vercors. Le mont Aiguille est une écaille calcaire auparavant rattachée au reste du massif du Vercors. La base est constituée par un ensemble de calcaires tendres, et de marnes surmontées par une muraille, elle-même composée d'une épaisse série de calcaires plus rigides. Sa morphologie résulte de la différence de comportement des couches face à l'érosion. Au cours de la formation des Alpes, les couches de calcaire, tapissant alors le fond de la tétie, ont été soulevées, plissées et fracturées. Ces dernières ont favorisé le ruissellement qui a entamé une érosion importante de la base de l'aiguille, où les couches sont plus tendres, tandis que des pans entiers de la muraille s'effondraient sous l'effet du travail de sape, auquel était soumise la base et par la karstification des couches calcaires. Les innombrables failles actives entre le mont Aiguille et le massif du Vercors puis le rabotage de flanc oriental du massif du Vercors par les glaciers au cours des différentes glaciations de l'ère quaternaire, ont permis son isolement actuel. Dimension. Altitude. 2087 mètres. Hauteur du dôme. 1653 mètres, 1837 mètres. Hauteur du Chicot, pilier sud-ouest. 250 mètres. Pilier nord-est. 350 mètres. Longueur. 900 mètres. Largeur maximale. 130 mètres. Histoire et exploits. Le hameau de Rutière au pied du mont Aiguille. La première ascension du mont Aiguille est réalisée le 26 juin 1492 par Antoine de Ville, seigneur lorrain de Don Julien et Beaupré, et capitaine du roi, accompagné, selon les sources, de sept hommes ou d'une vingtaine plus un notaire, sur ordre de Charles VIII, roi de France. Des échelles et des pitons ont été utilisés pour réaliser cet exploit, qui est généralement considéré comme l'acte de naissance de l'alpinisme. Jusqu'ici dénommé mont inaccessible, le mont est dès lors baptisé Aiguillefort. La seconde ascension est réalisée seulement en 1834, par des habitants des villages situés en contrebas. Henri Giraud, chef pilote à l'aéroclub du Dauphiné, et aviateur en montagne Urpère, fut le seul à jamais atterrir sur sa prairie sommitale, d'abord le 27 août 1957 avec un Piper Cube, et le 22 mars 1960, sur ski, avec un Schuka Super Cube. Il réalisa par la suite de nombreux atterrissages avec passagers. Pierre Tardivel a descendu à ski, la voie des tubulaires le 27 janvier 1992 à l'occasion du 500e anniversaire de la première ascension. Écrit et légende. La prairie sommitale. Les légendes qui se rapportent au mont Aiguille ont parfois retenu l'attention des princes. La plateforme sommitale apparaissait en effet, dans bien des esprits, comme une sorte d'Éden, un territoire préservé du monde profane. En 1211, Gervais de Tilbury, neveu du roi d'Angleterre Henri II, le décrit comme un mont inaccessible duquel choit une source transparente, au sommet. De l'herbe verdoie et l'on y voit parfois des draps blancs, étendus pour sécher, selon l'usage des lavandières. Les lambeaux de neige qui subsistent au printemps sur la prairie sommitale, et l'imagination du narrateur juché sur la cime du Grand Vaimont, suffisent pour accréditer la légende des lavandières du mont Aiguille. Au Moyen Âge, le mont Aiguille, baptisé en latin Super Emine Invictus, qui signifie « il se dresse », inaccessible, est perçu comme un énorme rocher d'une hauteur prodigieuse. Les dessinateurs de l'époque le représentent sous la forme d'un champignon ou d'une pyramide renversée. Sous l'Ancien Régime, il jouit d'une popularité supérieure à celle des géants des Alpes, ignorés du plus grand nombre. Au XVIe siècle, Rabelais, dans le Car-Livre,
relate l'ascension faite par Antoine de Ville de ce qui était encore appelé le mont inaccessible de façon quelque peu imaginaire, tant par la forme de la montagne que par le nom de l'alpiniste tout ce qu'il trouva au sommet, ainsi dit pour ce qu'il est en forme d'un potiron, et de toute mémoire personne surmonté ne l'a peut, fort d'Oyac, lequel avec engin mirifique y monta et au-dessus trouva un vieux bélier. Cesse-toi à deviner qui l'a transporté la veille. Aucun le dire, est en jeune aignolet, par quelque aigle-duc chahuant la ravie, s'estre entre les buissons solvés. En 1656, Denis de Salvin de Boissieux dans ses thèmes Miracula Delphinatus, les sept merveilles du Dauphiné, relate que des déesses chassées du mont Olympe, seraient venues se réfugier sur ce promontoire, qui faisait encore partie de la falaise orientale du Vercors. Elles furent surprises dans le plus simple appareil par le chasseur Ibicus. L'affaire provoqua le courroux de Jupiter, qui changea le voyeur en bouquetin, et sépara le mont sacré du reste du Vercors. Ascension. Le mont Ibi possède plusieurs voies d'ascension. Certaines sont très accessibles, et constituent des courses d'initiation à l'alpinisme rocheux. Cependant, le rocher est un calcaire légèrement stratifié, et l'instabilité de certains blocs, rendre les montées dangereuses. Une marche d'approche jusqu'au col de l'Opet, 1653 mètres, mène au pied du Chicot.